cinéma est devenu pour la SNCF un précieux auxiliaire. C'est un moyen d'investigation sûr et les prises de vue au ralenti, le plus souvent employées au cours d'essais, peuvent révéler la solution de problèmes bien souvent posés. Le film, une fois enregistré, peut être projeté et examiné image par image. On a aussi la possibilité d'agrandir photographiquement chacune d'elles. Il est évident qu'une des caractéristiques de notre époque est la vitesse. Il faut aller vite, toujours plus vite, sans pour cela oublier, surtout en matière de chemin de fer, la sécurité et la ponctualité. Le problème consiste ici à déterminer la loi des vibrations d'une caténaire avant, pendant et après le passage d'un train et corrélativement de mesurer le soulèvement maximum des conducteurs sous l'action du ou des pantographes de l'organe moteur. Une caméra de ralenti est installée à hauteur du fil de contact. Une mire graduée est placée en arrière de la caténaire et à l'opposé de la caméra. La hauteur a été réglée de telle façon qu'au repos, l'image du fil étudié donnée par l'appareil de prise de vue coïncide avec le zéro de la mire. Le train d'essai arrive à 160 km à l'heure. L'appareil de prise de vue est mis en marche, 240 images à la seconde. L'enregistrement au ralenti montre nettement le soulèvement de la caténaire. L'analyse du film, dont on connaît le temps séparant deux images consécutives, permet par projection image par image de déterminer la courbe des variations de hauteur du conducteur en fonction du temps, compte tenu des distances respectives entre la caméra, la caténaire et la mire. Un autre mode d'investigation permet l'inspection sur une bande graphique des mouvements de la caténaire. Un second passage du train d'essai va être enregistré dans les mêmes conditions par la caméra. Curieux et étonné par la vitesse du train, un avion descend pour mieux voir son terrestre concurrent et l'antique lanterne du passage à niveau rêve au bolide de son jeune âge. Ici, il s'agit de reproduire la forme que prend une caténaire dans une de ses portées au moment du passage d'un ou deux pantographes. Quatre caméras sont disposées en face de quatre mires, divisant la portée en tronçons égaux de 10,80 m. Les appareils utilisés cette fois tourneront à la vitesse normale, c'est-à-dire 24 images à la seconde. Comme précédemment, les mires sont fixées sur des poteaux implantés à 1,60 m du rail et leur plan rigoureusement perpendiculaire à l'axe de prise de vue. On procède ensuite à la mise au point et au réglage de la hauteur des mires afin d'amener dans le cadre de l'image leur zéro au niveau des fils de contact de la caténaire. Afin d'éviter toute erreur, les mires ont été immatriculées de 1 à 4 et portent le numéro du train régulier qui va cette fois servir à cette expérience. Le train arrive, un signal, on tourne. Il roule à 120 km/h et passe successivement devant les 4 caméras qui fidèlement enregistrent les mouvements de la caténaire oscillant sous l'action des deux pantographes en prise. L'examen des films obtenus a permis de reproduire très exactement la forme du fil de contact au passage des pantographes. Le cinéma au ralenti a prouvé ici encore son indiscutable utilité du point de vue des recherches techniques. Lors des premiers essais des voitures métalliques sur pneus, qui depuis décembre 1948 composent régulièrement le rapide Paris-Strasbourg, on s'aperçut que certaines pédales de signalisation étaient détériorées par les frotteurs métalliques nécessaires pour établir le court-circuitage d'un rail à l'autre, indispensable à la commande des signaux. Thank you.
Différents types de pédales furent disposés le long des rails et examinés pendant le passage de la voiture par l'œil impitoyable de la caméra. Tractée ou poussée par un autorail, la voiture d'essai va passer sur chacune des pédales mises successivement en service et son comportement minutieusement observé au passage. L'appareil l'a fixé sur la pellicule. Le ralenti le révélera maintenant autant de fois qu'il sera nécessaire et ces images ont servi aux techniciens qui les ont examinées vue par vue. Elles leur ont permis d'apporter toutes les modifications nécessaires afin d'éviter dorénavant la détérioration de ce matériel qui, après avoir subi de nouveaux essais devant la caméra, a donné cette fois toute satisfaction. Les essais qui vont être réalisés sur cette voiture métallique ont pour but de mesurer les fatigues et déformations sous l'effet des charges verticales telles qu'elles agissent en service. Les contraintes du métal sont mesurées par des extensomètres à fil résistant. La charge est exercée par de l'air comprimé, agissant dans 24 cylindres dont chacun d'eux déploie une pression d'une tonne. Répartis sur le sol de la voiture, ils prennent appui à leur partie supérieure sur de grands balanciers, traversant la voiture de part en part par les baies et reliés par des tenants articulés à des blocs de lestage posés sur le sol. Sous l'effet de la contrainte mécanique, la matière et par suite le fil résistant subit un petit allongement relatif ou contraction qui se traduit par une variation de sa résistance électrique et qui est détectée et amplifiée par des appareils enregistreurs qui permettent l'inscription automatique des contraintes mesurées. Les résultats satisfaisants de ces essais ont permis d'apporter en cours de construction des modifications locales destinées à améliorer encore la tenue du matériel et la sécurité. Afin d'acheminer vers leur lieu de destination les grandes barres de rails soudées de 72 mètres de longueur utilisées à l'intérieur des souterrains, on a procédé à des essais de transport. Il a été remarqué lors du premier essai, où les barres avaient été simplement posées sur les wagons, que dans les courbes, certaines d'entre elles se sont couchées et, en d'autres endroits du parcours, sans raison apparente, ont exécuté de véritables sauts de carpe. Ce premier transport, en procédant au déchargement des rails, on s'aperçut que certaines modifications devraient être apportées dans la technique de cette opération, qui malgré tout ne s'avéra pas trop mal réussie pour un premier essai.
par l'expérience du premier transport et afin de remédier aux inconvénients remarqués, les rails posés à plat sont maintenus aux champignons par des crémaillères de fixation. Docilement, épousant les méandres de la voie dont certaines courbes accusent 170 mètres de rayon, les rails serpentent harmonieusement. Un matériel de déchargement spécialement étudié permet cette fois de réaliser cette opération dans un minimum de temps avec un maximum de sécurité. Deuxième voyage d'essai a été tout à fait favorable et concluant, et il semble maintenant que de tels transports puissent passer du domaine de l'étude à la réalisation pratique.